Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bonsoir, bonsoir. Ouais, là, ça marche, hein. Ah, ça vous fait plaisir, hein? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ah, elle recommence la musique. On va attendre un petit peu. Ça, c'est la petite musique que vous allez entendre souvent. Bon, j'espère que vous êtes de bonne humeur, que vous avez passé des bonnes vacances d'été. Donc, je le répète, ici, ça sera TikTok, ici, ça sera Instagram. Donc, je vous retrouve pour des lives qui seront normalement récurrents. Bon, ça dépend aussi de comment ça se passe au niveau de mes consultes, si je suis fatigué ou pas. En plus, évidemment, je suis encore malade. J'ai le dos, mais là, maintenant, j'ai l'angine. Donc, je viens quand même vous voir, vous faire un petit coucou quand même. Et puis, on va discuter. Eh, 2 mois, ça fait long, 2 mois. Peut-être 2 mois et demi que je suis pas venu, non? Votre deuxième livre a avancé, pas trop. Il y a tellement de projets, en fait, qui sont en route que ben, je suis pas Shiva. J'arrive pas. Donc, même si je suis quand même beaucoup épaulé, c'est pas évident. Et puis, j'ai eu un gros problème de dos cet été, donc ça n'a pas arrangé les choses. Moi, je n'ai jamais coupé, hein, parce que j'ai fait mes consultations, mais après, effectivement, je ne vous ai pas eu en live. Très long, Sandrine, la super fan, ça a été très très long. Il y a Véronique aussi, il y a Marie-Guy, il y a Caline. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Alors, pour certains, c'est la première fois, effectivement. Il y en a qui attendent avec impatience. Donc, pour ceux qui connaissent pas les lives, normalement, comment ça se passe au niveau des lives? Je vais attendre que ça termine. La petite musique. Je fais souvent des connexions défunts. Donc, je vous demande d'être bienveillant, de pas avoir de commentaires haineux. Alors, sur TikTok, il y a certains commentaires qui sont bloqués. Et sur Instagram, je crois qu'on peut pas bloquer. Il y a des modérateurs qui sont sur TikTok et sur Instagram, il semble qu'il y en a un, je sais pas. Coucou Nico, oui les enfants vont bien. Et du coup voilà, je fais les lives normalement en direct, je vous donne les contacts des défunts, c'est toujours très précis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai des défunts qui viennent me voir, j'ai un prénom, enfin on va dire souvent. Après c'est différent selon les lives, mais j'ai quand même des précisions sur le décès ou sur le prénom des sœurs, une ville, enfin peu importe, il y a plein de choses, mais qui montrent en fait que c'est très très précis et du coup qu'on recherche une seule personne. Normalement, ça correspond qu'à une seule personne, ça correspond pas à 40 personnes à la fois. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez un message ou un contact, il y a rien à faire, il y a juste à être présent, c'est tout. Et il y en a qui ont eu des messages hein, parmi ceux qui sont là ce soir. Coucou Izzy, ça va bien? Bon été. Alors, il y a Instagram et TikTok qui m'envoient des notifications. Je ne sais pas comment faire. C'est pas grave. Et du coup, je vous disais, voilà, on recherche une personne pour que je puisse avoir un contact. Si je vous dis Chantal, cancer des os, Fabrice, j'avais dit Maryse, je me rappelle. Si je vous dis pour son mari, il faut que tout colle en fait. Il faut pas que vous me dites moi j'ai vous me disiez moi j'ai Chantal mais j'ai pas le cancer des os, j'ai pas Maryse. Voilà, ça marche pas comme ça. Et quand vous montez en live, il faut que tout corresponde. Coucou Chantal Piche de Canada. Parce que si vous montez en live et que vous me dites non mais moi j'ai voulu vous voir et j'avais juste le prénom. Et c'est pas grave. Non, en fait, il faut vraiment que je puisse donner le message parce que c'est important. Et je ne ferai pas de consultation comme ça si vous montez en live alors que c'est pas pour vous. Je suis désolé, mais j'arrêterai pour trouver vraiment la personne à qui je dois donner ce message. C'est hyper important. Toujours beaucoup de bienveillance. N'essayez pas de polluer le chat avec, ben, j'ai envie de parler avec mon papa, ma maman. Alors, je sais que vous avez envie de mettre ça, mais c'est compliqué parce que si la personne est en train d'écrire et que je suis en train de la retrouver, c'est pas évident en fait de la retrouver. Donc si vous pouvez juste ne pas écrire pendant ces moments-là.
Moi, je suis pas un gendarme, je suis pas un prof d'école, donc je pense que vous savez faire la bienveillance, vous savez être bienveillant. Donc, si vous êtes agacé, vous êtes énervé, agacez-vous derrière votre écran, ne l'écrivez pas forcément, ne dites pas tout ce que vous pensez aussi à l'écran, parce qu'il y a des gens qui peuvent être gênés. Déjà, c'est pas évident de passer en live. N'oubliez pas que quand vous passez en live, c'est vous acceptez de donner votre image en fait parce que vous êtes sur mes lives et du coup ça m'appartient et votre image ne vous appartient plus quand vous montez avec moi en live. Donc il faut accepter ça aussi, que le message soit diffusé à tout le monde parce que là vous êtes en face de tout le monde. Donc voilà, mais bon, c'est un peu la partie du jeu entre guillemets pour que vous ayez un message de façon gratuite où je donne mon temps pour que, et puis ma personne et tout ça pour que je sois avec vous. Et je le fais volontiers. Hein. C'est pas ça, mais soyez toujours bienveillants. Et si quelqu'un est en train de passer ou reçoit des messages, j'ai plus de voix, ça y est, je suis malade, hein, je suis désolé. Hein. C'est pas évident pour moi, mais je voulais quand même vous faire un petit coucou quand même. Si quelqu'un a des messages, le temps que je dois rester, je resterai. C'est pas parce que vous allez vous agacer à dire c'est trop long. Moi j'aimerais un message j'aime pas cette femme ou j'aime pas cet homme. Non, on veut pas savoir. Vous me laissez dire les messages que j'ai à donner et puis voilà. Ensuite, pour ceux qui demandent pour le livre, le premier, c'est celui-là. Vous l'avez partout, le chuchotement des anges. Donc vous tapez dans Google le chuchotement des anges, vous le trouvez sur la Fnac, sur deux sites, chapitres. Vous le trouvez sur Amazon aussi, même s'il y en a beaucoup qui n'aiment pas acheter sur Amazon, mais vous l'avez sur Amazon. Ça prend un peu de temps à être livré. Il n'y a pas de dédicace quand vous l'achetez à la Fnac ou Amazon, parce que la dédicace, c'est moi qui l'a fait, c'est pas automatique. Si vous souhaitez une dédicace, il faut passer par mon site www.nicolasdavidmediumparis.com. Coucou, oiseau du paradis, Magali, comment ça va? Merci d'être là, hein. Merci de d'être les modératrices sur le live TikTok. Je pense pas qu'il y ait Cécile ce soir, sinon je l'aurais vu quand même. Le deuxième est en cours de livre. Si vous le commandez sur mon site, évidemment, il est plus cher parce qu'il est au tarif de 15 euros. Donc ça, on ne peut pas le changer. C'est le tarif éditeur. Sur mon site, il est évidemment plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a une pochette cartonnée La Poste que j'achète qui coûte 7 euros à peu près. Et vous avez des frais PayPal, tout ça. Donc il est à 22, je crois, je sais plus. Il est à 22 euros. Mais c'est, en fait, vous payez pas la dédicace, vous payez les frais d'envoi suivi avec la pochette cartonnée, hein. C'est pas, il n'y a pas de bénéfice sur ça. Il m'en reste pas trop, donc ne me demandez pas tous des dédicaces, parce qu'il doit m'en rester 5 de livres. J'en ai tellement fait que. Donc ne vous acharnez pas pour avoir une dédicace, ça prendra du temps. S'il y en a que 5 là, le temps que j'en commande, que je les reçoive, que je vous les envoie, ça va prendre un petit peu de temps. Donc attendez peut-être la prochaine fois pour faire à la demande de dédicace. Vous pouvez avoir une dédicace si vous habitez à l'étranger également. Le Canada, Tahiti, Papeete, l'île de la Réunion, le Koweït. Que sais-je, vous avez une pochette cartonnée que je n'ai pas là, qui est une pochette suivie internationale. Et là, c'est plus cher, évidemment, parce que la pochette coûte plus cher. Et donc, c'est avec la pochette, l'envoi et le livre, avec la dédicace, 30 euros et quelques, je crois, 30,90 € ou 29,90 €, je ne sais plus quels sont les prix actuellement. Je voulais vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'avez donnés en commentaire. Il y en a de plus en plus, que vous êtes extrêmement nombreux à me suivre. Donc, je vous remercie pour ça. J'arrive parfois à les lire, je les lis pas tout le temps parce que vous êtes vraiment beaucoup et que j'ai pas forcément le temps non plus. Oui, comme dit, c'est Nathalie ici, non? Prenez ce live comme une parenthèse apaisante, même si vos défunts ne viennent pas, voilà. Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres. Généralement, on est souvent 1000 ou 1400 connectés. Après, on a une moyenne à 900 connectés à peu près. Et il y en a 4 ou 5 qui arrivent à avoir un message, mais dites-vous que c'est quand même exceptionnel. C'est pas des messages juste, oui, il est là, il vous aime. C'est un peu plus poussé quand même. Vous pouvez revoir tous les replays s'il n'y a pas de bug avec TikTok et Instagram. Donc Instagram, c'est tout de suite après. Ça se charge directement dans l'application. Et après, sur TikTok, on les republie le lendemain ou le surlendemain sur YouTube. Et vous pouvez voir déjà les anciens lives. Et c'est bien sur YouTube parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous pouvez avancer jusqu'au moment où je capte. Alors j'ai des personnes, d'ailleurs une personne qui habite à Tahiti, j'en ai d'autres un peu de partout, qui les écoutent en travaillant et dès qu'ils entendent que je suis en train de capter, ils s'arrêtent et ils écoutent bien le live. Bon ça va, ils disent super, je me suis rappelé. Mais après j'ai du mal, j'ai pas trop de mémoire.
Pour ma grand-mère, je vois des messages, ça va à peu près, c'est pas le top parce qu'elle se fait opérer des reins, elle a beaucoup de calculs rénaux. Au départ, ils voulaient carrément lui enlever les reins parce que c'était trop. Et là, ils vont essayer de faire une opération. Je crois qu'elle rentre le 22 septembre à l'hôpital. Elle va avoir une opération de 2 heures quand même, Bichette, elle a 88 ans. Elle n'est pas au top de sa forme, mais ils veulent lui enlever au laser les calculs. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est quand même pas évident. Alors, j'espère que je vais avoir des défunts qui vont revenir parce que c'est pas forcément le cas tout le temps. Et vu que j'ai l'énergie quand même pas très très haute, ça va pas être évident. Alors, ah oui, Séverine m'a écouté de Tahiti. Alors, du coup, il est tôt là-bas, c'est le matin. Et moi, je suis dans le noir. Ensuite, j'avais des questions. Ah, merci pour les bonnes ondes pour ma mamie. Après, c'est la vie et puis je fais confiance là-haut, hein. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc voilà, si vous avez aussi des parents qui sont en EHPAD ou des oncles, des tantes ou autres, il faut toujours être là. Je vous dis tout le temps d'aller les voir avec le cœur. Ne prenez pas une obligation. Il faut pas que ça soit une obligation. Il faut pas que ça soit mental. Il faut toujours agir avec bienveillance, avec votre cœur. Si vous avez du mal, faut pas se forcer, mais il faut quand même penser à eux. Enfin, je veux dire, c'est quand même primordial. Elle est quand même. Enfin, moi, je sais qu'elle est seule dans sa chambre, même si bon, ils ont une chambre à deux. Mais bon, elle est seule. C'est pas évident. Je pense qu'ils perdent vite la tête quand ils sont seuls. Les problèmes de dos, c'est pas encore résolu. J'ai une infiltration. J'ai deux infiltrations jeudi. Donc, je fais. Alors, vous voyez, je viens quand même vous faire un coucou. Mais vraiment, je suis pas du tout au top de ma forme. J'ai l'angine avec le rhume en même temps, donc j'ai des amygdales hyper gonflées, ça s'entend à ma voix. Et j'ai la double hernie discale avec le lumbago qui va un tout petit peu mieux. Je vais faire des injections, des infiltrations. Mais je suis pas au top de ma forme. Donc, je me suis dit que j'allais venir vous voir pour discuter un petit peu, pour reprendre un peu la température pour voir comment tout le monde allait. Ah, Coco, l'anniversaire de sa maman Janine qui a 80 ans. C'est génial ça. Merci pour les messages de bien-être et de soutien. Après, moi, je me plains pas, hein. Il y en a tellement qui ont plus de complications que ça. Et le carcinome, ouais, là, le petit cancer de la peau qui est là, qu'il faut que je traite. Bon, il est bien placé, il est juste là, donc c'est pas très grave parce que si vous l'avez là, déjà, c'est un peu plus compliqué si vous devez faire une greffe de peau. Et en plus, s'il se développe et qu'il touche l'os, ben, c'est un peu foutu. Et s'il va au niveau des yeux, ben, vous êtes aveugle. Donc, franchement, moi, j'ai un petit carcinome là. C'est un vrai cancer, hein, de la peau parce qu'il y a vraiment des cellules cancéreuses. Mais il faut le traiter. Et après, une fois que c'était traité, ça part. Il n'y a pas besoin de chimio, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, j'accumule un peu quand même en ce moment. Mais ça va, j'ai quand même le moral, tout va bien. Il y a pire. Et ouais, Swaggette avait mal au dos cet été. Mais ça va mieux. Après, je suis pas en sucre, hein, ça va. Bon, et vous, tout le monde va bien? Tout va bien, plein d'ondes positives. Ok. Alors, il y en a qui doivent être là depuis pas très très longtemps. Ah, toi, sur la joue, et t'as les deux hernies discales? Ah ouais, quand même, tu vois. On est là pour un peu souffrir, un tout petit peu. Vieillir, on a les jardins de l'instant végétal. Quel bonheur. Ah, ben, vous êtes tous contents, dis donc. Le positif attire le positif, je le dis tout le temps. Alors oui, ce que je voulais dire, pour les consultations, il y en a qui me de, enfin il y en a qui me disent, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me découvrent et qui ont l'appréhension de venir, ce qui est normal hein, quand vous n'avez jamais vu de médium ou quand vous devez faire face à vous-même, parce que je l'explique, c'est un miroir. Donc c'est le miroir de vous-même. Moi, on va me mettre en exergue toutes vos problématiques et qui vous êtes en fait dans votre absolu, dans votre entièreté. Donc c'est normal que vous ayez un peu une appréhension. Par contre, vous pouvez voir dans toutes mes vidéos que je suis quand même assez bienveillant. Je suis pas là pour vous braquer, mais après c'est vrai que je vais vite dans ma façon de capter les choses. Et merci, Seigneur. Mais j'essaie toujours d'être de l'amener de façon douce parce que je sais que c'est perturbant. J'ai une personne que j'ai eue tout à l'heure de Belgique. D'ailleurs, je l'embrasse si elle me regarde.
qui disait j'avais jamais je savais pas ce que c'était la médiumnité, tout ça, j'avais jamais fait appel à un médium, et depuis que je vous ai rencontré, j'aime beaucoup, j'apprécie. C'est vrai que j'ai toujours l'appréhension de prendre une consultation avec vous. Elle m'appelle à peu près tous les 6 mois, cette dame. Mais ça fait du bien parce que finalement, j'ai voulu entendre, j'étais prête à entendre, et ça m'a quand même permis, d'apporter un bien-être à la personne, notamment dans la consultation. Je lui avais dit qu'elle allait perdre quelqu'un de proche, donc je lui ai dit la personne, tout ça, et cette personne n'était pas en très très bon état. Et finalement, de le savoir après, elle m'a demandé, elle m'a donné l'autorisation de pouvoir lui annoncer ces choses-là. Ça lui a permis d'accompagner son proche vraiment jusqu'au départ. Et pour elle, elle se sentait mieux, elle avait moins de culpabilité, elle a pu dire tout son amour, etc., etc. Donc ça, c'est génial. Les consultations ne sont pas qu'à Paris. J'ai un cabinet personnel privé à Paris où on n'est pas plusieurs, je suis seul, où je fais des consultations. Et j'ai des consultations par téléphone et visio puisqu'on m'appelle du monde entier, hein. Je suis appelé du Koweït, du Canada, de la Pennsylvanie, de Los Angeles, de Papeete, de partout. Après, oui, je voulais vous dire aussi. Ah, normalement, vous avez eu un message de mon live. Ah, d'accord. Bon, ben, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de promotion de live. Ce que je voulais vous dire aussi, je ne réponds pas aux commentaires en message privé. Je ne vous enverrai pas de message privé. Faites toujours attention à vous. Ah, il y a la Thaïlande, vous voyez, qui sont là. Enchanté. Il y a encore des usurpateurs. Ne faites pas avoir. On est 80, je sais même plus combien, 82 000 sur TikTok, et on est 50 000 et quelques sur Insta. Donc, ne vous faites pas avoir. Je vais pas vous proposer mes séances. J'ai vraiment pas besoin de ça. Et je vais pas vous parler aussi juste comme ça pour prendre de vos nouvelles. Dites-vous bien que vous êtes beaucoup, vous êtes très nombreux. Je vous en remercie, mais c'est pas possible de vous proposer des médiumnités et tout ça. Enfin, faites vraiment attention à vous. Ma bulle de bonheur, c'est pas que je suis reconnu mondialement. Je sais pas si c'est lié à mon ancien travail où j'étais steward, mais les gens me trouvent de partout, et c'est plutôt sympa. J'aime bien. Alors, je fais les consultations en français et en anglais aussi. Ah oui, c'est vrai, Magali, il y a les abonnements TikTok, Insta, Facebook. Ah non, là, apparemment, TikTok vous proposerait d'être alors abonné. Alors, je pense pas qu'il faille payer. Moi, je vous dis toujours, ne payez pas. Il y a un truc où vous pouvez être VIP. Enfin, je sais pas du tout comment ça marche. Donc, ouais, je suis tout le temps fatigué. Pour les consultations, vous demandez par rapport au contact défunt, le temps qu'il faut attendre. Ben, je peux pas vous dire qu'il y a un temps imparti pour tout le monde. Ça marche pas comme ça. Ça dépend de l'âme, en fait, parce que ça, j'ai fait beaucoup de conférences publiques. Et je vais en faire encore, évidemment. Et ça m'est arrivé où une dame, plusieurs dames, venaient me voir en me disant, j'ai perdu mon mari il y a une semaine, est-ce que vous pensez que j'aurai un message? Je lui dis, ben, généralement non, parce qu'il faut attendre un certain temps, généralement un an. Et en fait, cette dame avait eu un message. Donc, ça veut rien dire, mais c'est pas évident. Alors, évidemment, moi, je dis toujours, si vous souhaitez une consultation, faites une séance. Parce que vous souhaitez faire une séance dans l'absolu, et s'il y a un contact défunt qu'on peut avoir, parce qu'il y en a qui me proposent les photos des défunts, ou alors j'ai un défunt qui arrive comme ça, et du coup on a le contact, donc je le donne, mais ne prenez pas une consultation uniquement pour ça, parce que je ne peux pas prendre des rendez-vous, vous placer dans un agenda, et vous faire régler une consultation si j'ai pas le défunt qui vient, parce que je ne suis pas à la cabine téléphonique de l'au-delà, donc je ne sais pas s'il y a le défunt qui va être là ou pas. Donc le mieux, c'est quand même de prendre une consultation pour soi. Anna, c'est une hôtesse qui m'a parlé de toi. Ouais, mais avant, à l'époque, à Air France, on m'appelait X-Men. Et il y en a qui me trouvent comme ça. Ouais, Swaggett, elle m'a trouvé comme ça, et d'autres qui me trouvent comme ça. Alors, ma consultation avait été teintée de bienveillance, d'amour et de bonnes ondes, un rendez-vous lumineux, révélateur, bouleversant et apaisant, même enrichissant. Ben, c'est super, merci Véronique. Oui, alors je dis la cabine téléphonique de l'au-delà. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que vous souhaitez être en contact avec votre proche défunt, ça se comprend. C'est très perturbant parce que ça peut être
un parent duquel on était proche, mais ça peut être aussi un enfant qu'on a perdu. Et ça, c'est un déchirement. Mais quel que soit, je dirais, le départ, la mort, j'aime pas dire ce mot. Pour moi, c'est la mort du corps, mais l'âme perdure, donc c'est pas une fin. Quel que soit le départ du proche, c'est compliqué à vivre pour certains, plus facile pour d'autres, mais ça reste quand même dans l'absolu assez compliqué. Et vous êtes en demande, en demande d'une connexion ou d'avoir une preuve que la personne est toujours perdure et toujours là. Sauf qu'il faut comprendre qu'une communication avec des défunts, donc de la médiumnité, c'est ça qui est la différence avec la voyance. La voyance, c'est voir dans l'avenir, c'est même faire des cartes, tout ça, des oracles, mais la médiumnité, c'est vraiment être en contact avec des êtres de lumière ou des êtres ouais, éthérés qui sont de l'autre côté, en fait, qui sont passés de l'autre côté. C'est un lien, en fait, entre l'au-delà et ce monde-ci, le monde terrestre. Donc, quand vous avez cette connexion, c'est quand même quelque chose de magique, d'improbable, d'impalpable et de magnifique. Donc, il faut le prendre vraiment comme quelque chose de sacré. Et les messages qu'on va avoir, c'est pas forcément des réponses auxquelles vous vous attendez. Ça va être beaucoup sur le chemin de vie et sur vos blocages énergétiques, émotionnels, qui vous empêchent de vivre votre destinée comme elle serait écrite. Parce que vous avez un blocage et que vous restez sur ce blocage, donc généralement le défunt vous donne un peu une clé pour avancer dans votre vie. Mais si vous vous dites, hey, je vais passer par un médium pour faire un coucou à ma maman, ou j'espère qu'elle va me dire je t'aime et qu'elle m'envoie de l'amour, et que elle est bien dans la lumière et que moi je culpabilise parce que depuis son départ, ben, j'ai pas pu aller à son enterrement ou j'ai pas pu aller à son décès et donc je culpabilise. J'ai envie de vous dire, je suis désolé, mais c'est pas réellement utile. Ça va être utile pour vous par rapport à votre mental, mais un défunt, un contact défunt, ça vous apporte une réponse dans votre vie, pour votre chemin de vie, pour votre destinée. Et c'est pas juste je t'aime, parce que si vous allez voir des médiums qui vous disent simplement ça, je suis désolé, mais c'est pas de la vraie médiumité. La médiumité, c'est quand même quelque chose d'assez précis. Alors, on n'aura jamais tout de précis, parce que parfois, un défunt, quand il est de l'autre côté, il n'est plus en adéquation avec le prénom qu'il avait quand il était incarné sur Terre, donc on n'aura pas forcément le prénom. Mais on va avoir des anecdotes de vie, on va avoir son caractère. Ça, vous m'avez demandé en question, est-ce qu'on va avoir l'essence même de la personne, enfin de l'âme? Oui, elle reste. Ça, si c'était quelqu'un de très rigolo, on l'a de l'autre côté. Parfois, je rigole même en consultation. Il y a aussi les caractères un peu énervés, mais normalement, ils sont un peu élevés de l'autre côté, donc on a moins ce côté énervé. Mais ils pouvaient dire, par contre, j'ai eu déjà. Oh, ce que je regrette, j'étais beaucoup angoissé durant ma vie d'incarnation, alors que j'aurais dû le prendre plus à la cool. Et là, vous reconnaissez la personne aussi. Il y a vraiment des éléments probants. Vous pouvez revoir les replays, vous allez voir sur YouTube de ce que j'ai pu dire, et même moi, je suis toujours étonné. On doit être toujours humble par rapport au message qu'on peut donner, et par contre, on peut pas être en attente d'avoir plus de précision. Quand vous allez voir un médium, c'est vous qui souhaitez faire cette démarche d'aller voir un médium, donc ne venez pas en jugement. Si vous venez que vous payez une prestation pour vous dire, je vais voir s'il est bon, ça sert à rien, vous vous tirez une balle dans le pied parce que le but c'est que vous soyez à l'aise, ouvert à la réception des messages. Plus vous allez être ouvert à la réception des messages, plus ça va être facile en plus pour le médium de vous en apporter parce que de l'autre côté, c'est un peu du donnant-donnant, j'ai remarqué. J'ai des personnes qui me testent hein, de temps en temps, ça m'arrive. C'est pas grave, je le prends pas mal parce que je peux comprendre qu'on puisse douter et ça m'est égal. Mais j'ai. Quand est-ce que c'est une dame qui était venue? Je me rappelle plus. Je sais plus si ça fait 2 ou 3 mois. Et cette dame, pendant la consultation, elle me regarde, mais elle avait un air un peu de jugement. Et elle me dit, est-ce que je vais avoir des enfants? Et dans ma tête, on me dit, Nico, elle se fout de toi. Elle a un stérilet et en plus, elle a 2 garçons. Et donc, je me dis, comment je vais lui dire ça? J'ai dit, allez, Maïne. Alors, je lui ai dit, je pense que vous voulez jouer. Et en fait, ils me disent que vous avez un stérilet, c'est ça? Et vous avez 2 garçons. Et elle me dit, oui, comment vous savez ça? Je fais, ben, en même temps, vous êtes allé voir un médium. Alors, je ne sais pas tout.
mais là vous avez essayé de d'un peu flouter le truc et ça marche pas en fait. On vous fait comprendre ben, qu'on n'a pas le droit de tricher. Et elle a réessayé avec autre chose et je lui dis arrêtez de faire ça ne vous sert à rien. Vous êtes venu me voir pour que je vous apporte des réponses. Vous n'êtes pas venu me voir pour me tester. Ça sert à quoi? Enfin, je comprends pas la démarche en plus parce que c'est vous qui perdez du temps pour rien. Et malgré tout, bon, elle était super contente, hein. Mais c'est pas le but parce que ça fait bugger. Les défunts parlent-ils du créateur? Ça, c'est une bonne question. Alors, vous voulez dire de Dieu? Alors, ils l'appellent plus amour, en fait. Ils sont beaucoup dans la lumière, amour, conscience, infini. Il y a plus ces termes-là. Après, moi, quand je dis Dieu, c'est vraiment cet amour total, amour conscience et matière. Je sais pas comment vous expliquer. C'est mon ressenti, mais je peux pas ne pas dire que c'est pas Dieu en fait. On peut l'appeler Dieu, Oméga, l'univers, tout ce que vous voulez, mais il faut que ça soit relié à un amour éternel et commun. Alors merci pour le partage du live, merci pour les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour tout ça, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est des trucs, des points? Je comprends rien. Mon Dieu. Alors, Seguevara 91. Vous me demandez, bonsoir, vous allez le deviner, j'ai perdu une amie très chère. Je me refuse à son départ. Est-ce que je nuis à son départ? Alors non, je vais pas le deviner parce que je suis pas devin, je suis médium. Mais vous me le dites, donc. Alors sachez que je rebondis jamais sur les informations qu'on me donne. Je suis pas de ce genre-là, je suis très très honnête. Ah, Olinda qui a dit personnellement, moi j'ai adoré ma consultation avec vous et j'ai hâte d'avoir la prochaine, car ça m'a fait beaucoup évoluer et travailler sur ma personne. Oui, c'est vrai ça. Ah Arnaud, on peut faire une consultation tous les combien? Vous allez bien Arnaud? Ça va? Vous êtes un peu plus détendu? Vous arrivez dans votre vie? C'est pas évident pour certaines personnes que j'ai eues en consultation. Alors Arnaud, je sais pas si vous avez entendu quand je disais que c'était pas forcément une cabine téléphonique. Alors sans vous vexer, c'est pas pour ça que je dis ça, mais c'est que ça doit nous apporter quelque chose en fait. Et alors la communication défunt via un médium doit vous apporter quelque chose sur votre chemin de vie. Par contre, vous, en tant qu'être humain, qui êtes relié à cette âme, par amour, vous pouvez ressentir son amour. Vous pouvez demander à ressentir son amour et à vous apporter un peu des signes aussi. D'ailleurs, je fais une masterclass bientôt pour reconnaître les signes. Bon, ça va, Arnaud. Ouais, ça se passe, mais c'est pas évident, évidemment. Alors oui, l'hypnose, c'est bien Arnaud d'en parler. Les hypnothérapeutes peuvent vous aider énormément à la résolution de vos blocages. Ça, c'est hyper important. Pour toutes les consultations, mais je fais jamais la promotion de mes consultations, ça se passe en direct sur mon site. Vous avez soit le lien Snipfeed sur TikTok, vous allez dans la bio, la page principale, le lien, et ça vous renvoie sur toutes les consultations. Il n'y a que du contenu exclusif sur TikTok, à la fin, caché à la fin. Et sur mon site internet, donc c'est sur Instagram, Nicolas David, mediumparis.com, et là vous allez en prendre rendez-vous, vous pouvez faire tout tout seul, voilà. Mais je parle jamais de mes consultations. Le but c'est pas de faire la promo, tout va bien, donc c'est pas le but. Pour la masterclass, ça se passe aussi sur mon site, nicolasdavidmediumparis.com et rubrique masterclass. La prochaine sera reconnaître les signes que vous avez beaucoup demandé. Elle aura lieu le 17. J'ai pensé faire ça un samedi cette fois-ci à 11h pour 1h30. Je pense que c'est mieux un samedi matin. Et après, je ne sais pas si ça intéresserait plus les gens le soir. J'avais fait déjà, je crois que j'avais fait samedi matin aussi, je ne me souviens pas. Alors, qu'est-ce que vous demandez, Myriam Sandero? Pour avoir un contact, pouvez-vous me répondre? J'ai perdu un ange, j'avais 14 ans, donc cela 47 ans, est-ce trop tard? Alors ça veut rien dire, Myriam. Parfois on peut avoir un contact, ça dépend. Ça dépend vraiment de l'âme.
Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez une consultation pour vous déjà, et si on arrive à forcer, entre guillemets, on force jamais le contact, parce que si c'est prévu, ben, la personne sera là, enfin le défunt sera là, l'âme sera là, j'aime pas dire le défunt, l'âme sera là. Donc prenez vraiment pour vous ce contact. Ah, c'était samedi matin, la dernière fois, d'accord. Oui, Bernie, je parle avec les défunts, oui. Donc je vais vous faire un live spécial contact défunt comme j'ai l'habitude de le faire, où il n'y a rien à, il n'y a pas de participation, il n'y a pas de don effectué, il n'y a rien, il y a simplement à être présent sur le live. Et voilà, si vous avez de la chance, enfin si vous ont choisi de l'autre côté, ce sera votre moment. Et puis voilà. Alors ensuite. Les heures miroirs, c'est des appels à l'élévation spirituelle. Donc, c'est pour que vous preniez conscience qu'il y a bien quelque chose d'autre qui existe. Donc, on vous pousse à aller en prendre conscience. Donc, vous pouvez faire ça via des livres, via des rencontres, dans des ateliers spirituels, etc. Isabelle, je ne pense pas que l'odeur de brûlé autour de vous soit la visite de personnes qui sortent du crématoire. Hein. Ça peut-être rien à voir. Hein. Et oui, Julie, à quand elle a vu des fins? C'est vrai que vous, ça semble, c'est un peu l'attraction de la soirée, le contact des fins. Bon, après, il y aura plein de choses. Miss Del Guapa sur Insta. Si on voit tomber des plumes, c'est un signe. Si les plumes ne font pas partie d'un pigeonnier. Si c'est un endroit où il n'y a pas d'oiseaux. Ah, ben bon courage, l'as, pour l'opération. Il y en a qui se font opérer du dos quand même, hein. Alors, vous me demandez pour l'actualité. Alors, j'ai beaucoup eu de retours par rapport à l'actualité. Il y a beaucoup de gens, finalement, qui ne souhaitent pas que je fasse de prédictions sur l'actualité. Alors, évidemment, je fais un peu ce que je veux, c'est vrai, mais le but, c'est pas de vous stresser. Comme je suis évidemment plus dans la bienveillance, alors ce que je vais capter, c'est quand même quelque chose de réel. Mais la problématique, c'est qu'apparemment, ça stresse beaucoup de monde. Donc, je vais pas vous dire qu'on est dans le monde de oui-oui et que tout va bien se passer. Je pense qu'on nous prend quand même pour des imbéciles, hein. Il faut pas être médium pour voir ça. Donc, à vous de faire votre propre vision de ce qui se passe. Mais je ferai pas de, je pense pas de live sur l'actualité. Alors, les anges, est-ce que il y a quelqu'un pour nous là? Parce que quand j'ai dit aux anges, on va faire un live de défunt, j'ai eu un homme. Alors, quand je dînais ce soir, j'ai eu un homme qui était derrière moi, donc c'est un grand homme. Alors, je vais vous dire la personne que j'ai eu un grand homme. Alors là, c'est rasé. En haut, c'est un peu plus long et c'est bouclé. C'est argenté. Donc, je pense que c'est un homme qui avait 56, 60 ans à peu près. Fin. Il était fin. Alors, ça met un gros pull col roulé. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est décédé en hiver? J'ai cette personne, donc grande là. J'ai ce grand monsieur qui est parti vraiment. Je sais pas s'il était bipolaire, s'il a eu une amnésie. Comment on appelle ça déjà? C'est pas Parkinson, c'est l'autre. Quand je suis connecté, j'ai plus les mots. Je sais plus. Comment vous dites déjà quand on perd l'amnésie? Ben moi, du coup, je l'ai. Alzheimer, merci. Merci Chris. Mais moi, du coup, je l'ai. Donc, je suis en connexion avec. Donc, ce monsieur a une fille. Donc, c'est sa fille qui a été très perturbée par son départ. J'entends Ghislaine, mais je pense pas que ça soit le prénom de sa fille. Il y a Ghislaine. Et c'est un monsieur qui a tout perdu, hein, parce que
Ça a l'air d'avoir un rapport aussi avec son travail. C'est dingue ça. Donc il va falloir que ça corresponde à une personne. Hein. Je sais pas si c'est pas Christian le prénom. En tout cas, il y a Christian, il y a Ghislaine, mais Ghislaine, ça doit faire partie de sa famille. Je pense pas que ça soit sa fille qui s'appelle Ghislaine. Hein. Départ avec Alzheimer, il y a vraiment le fait de plus être connecté à la vie. Et il faut qu'il passe le message. Pardon. C'est vraiment, il remercie pour, ça a été dur hein, quand même. Hein. Pour toute cette aide apportée. Et elle culpabilise la fille. Est-ce que ça correspond? Est-ce que vous avez des personnes à qui ça correspond, s'il vous plaît? C'est bien, vous êtes sage ce soir. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est pas pour Ghislaine forcément. Il faut que ça corresponde. Il y a le prénom Christian, Ghislaine, Alzheimer. Il y a le fait qu'il soit grand, fin. Il y a un pull col roulé, donc peut-être que c'est un départ en hiver. Il y a les cheveux grisonnants un peu bouclés sur le dessus. Moi, je me rappelle plus ce que je dis après. Hein. Et il vient pour sa fille, apparemment, qui l'aurait aidé. Non, il faut pas poser de questions, c'est les défunts qui viennent à moi et je vous donne les infos qu'on me donne. Merci la cuisine 06. Ah, merci Sandra Grange qui a lu le livre. Un col roulé. En plus, il y a du monde, j'arrive pas à voir si les gens je vais essayer de répéter ce que je vois. C'est un monsieur qui est assez grand, très fin. Donc il y a vraiment le col roulé. Je pense que c'est peut-être pour donner la saison. Les cheveux un peu bou. Alors c'est bouclé ondulé, c'est pas vraiment frisé. Hein. C'est ondulé gris, c'est gris, hein, c'est argenté. Il me montre le fait d'avoir perdu la tête, d'avoir Alzheimer, que sa fille l'a beaucoup aidé. Ou quelqu'un qui est comme sa fille, hein, parce qu'il peut définir ça comme sa fille, comme le lien. Comme sa fille et j'ai Ghislaine et j'ai Christian en prénom mais je pense pas que ça soit forcément Christian son prénom. Bonsoir Patricia. Est-ce que ça correspond à quelqu'un s'il vous plaît? Alors, votre beau-père, c'est Christian, ma cousine, Guylaine. Harmonie, Grace. Alors, la personne pour qui ça correspond, mais vraiment tout, s'il vous plaît. Hein. Alors, apparemment, ça serait Caroline. Si vous n'avez pas les 1000 abonnés pour passer en live sur TikTok, allez sur Instagram et je vous demande en direct sur Instagram, on peut passer en vidéo. N'oubliez pas, ne soyez pas en pyjama, en pilou-pilou. Après, si vous n'en avez rien à faire, tant mieux. Mais on va vous voir, hein, tout le monde va vous voir. Hein. Et vous, Émilie Frambois, ça serait pour vous. Merci Céline d'avoir récapitulé. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour tout ça. Alors ça correspond, mais on n'est pas sûr. Ah. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup à qui ça doit correspondre dans tout le chat. Hein. Et vous êtes beaucoup, hein. Vous êtes 800 en tout. Vous êtes 460 sur TikTok et vous êtes 265 sur Insta. Alors la personne Caroline sur TikTok, où êtes-vous?
Caroline, s'il vous plaît, qu'on puisse aller vite pour vous donner le message. Alors, Caroline, il faut que vous alliez sur Instagram. Parce que vous n'avez pas les 1000 abonnés, il faut aller sur Instagram, chercher mon nom, Nicolas David, Medium Paris, vous abonner et vous venez sur le chat, sur le direct, et je peux vous demander en direct. Mais c'est normal, Caroline, que vous trembliez. Alors, Émilie Framboisine. Alors, le temps que Caroline arrive, on va faire Émilie. Émilie, je vais vous passer en live parce qu'apparemment, ça correspond. Alors, on va faire comme ça. Émilie, il faut accepter le live. Alors, je pense que c'est dans Améliorer qu'on peut retourner la caméra. Vous voyez, c'est archaïque. Et une petite boîte. Alors, tout ne correspond pas. Alors, vous m'avez dit. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, votre prénom? Mon prénom, c'est Émilie. Émilie, pardon. Je suis désolé quand je suis connecté, je suis pas là. Alors, qu'est-ce qui correspond et qu'est-ce qui ne correspond pas du coup? En fait, c'est l'âge des 50 ans. Tonton Albert était en maison de retraite. Ghislaine, c'est sa belle-fille qui a fait, en fait tout ce qu'elle trouvait pendant qu'il était en maison de retraite, qu'il était tout seul. Il avait un fils qui s'appelait Christian, qui est décédé juste Ah. après lui. Donc voilà, c'est un grand monsieur, grisonnant, avec les cheveux ondulés. Alors, est-ce que c'est à partir de 50-60 ans que ça a commencé à défaillir ou pas? Oh, je ne le connaissais pas encore à cette époque-là, je suis arrivée dans la famille après quand je me suis mariée avec mon mari. Parce que parfois ça peut Ça a être ça, le. failli, mais lui, je ne sais pas. Parce que là, quand même, il y a beaucoup de choses qui correspondent à part la cinquantaine, mais. C'est pas hyper important ça dans l'au-delà parce que c'est souvent des rébus, des paraboles. Donc, vous me dites à Albert, ça le prénom que vous avez sorti? Ouais, je pense qu'il devait pas être en adéquation avec ce prénom. C'est pour ça qu'il l'a pas voulu donner. Mais en tout cas, donc Christ, je me rappelle plus ce que vous avez dit, pardon, Christian. Christian, c'était un de ses fils, le Ah, troisième de ses enfants. d'accord. Alors c'est beaucoup le remerciement pour Ghislaine quand même, parce que cette dame, à mon avis, c'est plus une sauveuse et elle s'occupe pas d'elle. Donc c'est pour ça qu'il vient en fait donner le message. Donc vous allez la voir, ça reste enregistré, donc elle pourra venir voir. Il faut vraiment qu'elle s'occupe d'elle parce qu'elle est en perdition cette Ghislaine. Elle se donne trop pour les autres, elle va pas vers elle et on lui dit c'est important maintenant qu'elle fasse son chemin de vie et le chemin de vie c'est pas d'être que dans l'aide des autres. C'est hyper important ça. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un donc d'hypersensible, de très fragile. On lui demande, oh, peu cher, petite, ça n'a pas été évident. Normalement, il y a un traumatisme vers les 7 ans en plus chez Ghislaine. Elle a perdu sa maman, elle avait 20 ans, mais Ouais. Et c'est fou qu'elle se. C'est un peu comme une sœur Teresa en fait. C'est, il faut que je sois là pour les autres. Alors. C'est un peu compliqué. Je suis désolé parce que je suis à moitié là quand je suis connecté à chaque fois. Et c'est pas évident d'être dans la matière quand on a des messages de l'autre côté. Alors, il pointe un livre. Mais qu'est-ce que c'est ce livre? Et il y a un, alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais. Il pointe le doigt sur un livre et qui concerne le jardinage. Alors, est-ce qu'elle fait plus de jardinage? Est-ce qu'elle aurait dû faire du jardinage? Est-ce qu'elle doit en faire pour aller mieux? Il y a un truc qui est important pour elle. Pourtant, lui, il en faisait énormément du jardinage, lui. Ouais, et je pense que c'est pour ça le lien. Donc, lui, il montre ça. Aimer, c'est pour elle, du coup. Donc, Ça me suffit du bien. est-ce que. Ça serait pour qu'elle se rappelle le lien qu'elle avait avec lui et qu'elle soit toujours dans l'amour. Enfin, il y a un lien comme ça qui est super important, en tout cas.
son temps, les fleurir les tombes aussi. Donc Bon, peut-être que c'est ça c'est bien, et peut-être que je sais pas. même si j'ai fait des vidéos pour dire que c'est pas essentiel, que c'est Oui. mental, mais elle, Elle en a besoin, si ça lui fait du bien et puis qu'en plus elle entretient, bon, pourquoi pas, hein. Mais elle devrait arrêter de culpabiliser. et c'est bien qu'il la remercie, franchement, parce que c'était lourd pour elle. Ouais, je pense que c'est une grosse problématique. Oui. C'est dingue que là, parmi 900 personnes, ou je sais pas combien vous êtes, il y a ce message, c'est que vous devez transmettre ce message. C'est Je le ferai. important. Je le ferai. Je trouve que c'est beau. Il me dit, mais elle a son caractère. Mais, alors, c'est pour vous, ça. Il me dit, mais elle a du caractère, hein, parce qu'elle se laisse plus faire comme avant, c'est terminé. Et vous, apparemment, vous êtes sur le bon chemin. Heureusement que vous avez changé, il dit, parce que sinon, vous vous serez laissé écraser. Et il est très très content de ça. Enfin, ils sont très contents de l'autre côté. Est-ce que vous avez connu un Paul, ou il y a un Paul autour de vous? Pourquoi il y a ce prénom? Ou est-ce que vous savez si c'est autour de lui? Oh là là, non, non, Paul, ça ne me parle pas. Moi, autour de moi, mais Paul, le seul Paul que je connaissais qui était décédé. Mais qui était proche de vous quand même, ou pas? Ah oui, j'aimais beaucoup. Oui. C'est quelqu'un que j'aimais énormément. Donc est-ce que ça peut pas être Paul C'est un qui est ami de de mon l'autre père. côté, alors? Il monte vos doigts, il dit de faire attention à vos mains. Est-ce que vous avez une problématique même d'os? Est-ce que vous avez les doigts qui gonflent ou un truc comme ça? Ça fait comme si j'avais un peu les doigts qui se tordaient, ou je sais pas, il montre ça. Je fais de l'arthrose partout, sur tout le corps, mais en ce moment, mes mains me font terriblement souffrir. Parce que ça monte comme si ça se tordait. Donc, Je comprends. ah ouais. Donc il faut que vous fassiez attention, hein. Il faut le prendre en compte. Alors Pardon? peut-être que je me suis mise au Reiki, peut-être qu'il y a des choses qui... Je ressens beaucoup de choses par les mains maintenant. D'accord. Donc vous inquiétez pas, ça va guérir, ça va s'atténuer un petit peu, mais il faut pas le laisser de côté. Ils sont super contents de l'autre côté, hein. C'est comme si j'ai chaud, vous pouvez pas vous imaginer comme j'ai chaud. Bah moi j'ai des frissons partout, hein. C'est ouf, c'est fort, très fort. Alors moi je suis canal, hein. Moi après, une fois que c'est fini, c'est fini. Mais j'adore ces connexions. Alors oui. Et 64, pourquoi il dit si si Paul 64. Alors je comprends pas, moi je comprends rien à ce qu'ils disent, hein. Il y a 64. Après, c'est pas grave si vous ne vous rappelez pas de tout maintenant, hein, c'est pas important. Hein. Le but, c'est que vous en rappelez après. Est-ce que c'est celui qui a déménagé en Corse? Ben, après, moi, je rebondis pas sur ce qu'on me dit, parce que ça serait facile que je vous dise oui, alors que je ne l'ai pas sorti en premier. Mais moi, ça ne me parle pas, ça. Moi, j'ai 64. Alors, 64, est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est l'âge important? Il y a un truc avec 64. Et vous, il y a un truc avec l'association. Vous n'êtes pas obligé de faire partie d'une association. Bon, vous devez y aller, c'est ça, là? C'est l'association en fait des cœurs de jeunes où étaient mes grands-parents, une association pour une maison de retraite pour occuper les personnes âgées. Où c'est un peu pesant en fait, mais Il j'aime faut. beaucoup, mais mes grands-parents n'y sont plus. Maman, elle était la présidente de l'association, enfin il y a plein de choses, Ouais, mais en fait. passez. Il vous dit de pas vous forcer à reprendre ça. C'est pas important. Il faut que vous ayez du temps pour vous maintenant. C'est hyper beau. Et en plus, on vous donne d'autres capacités avec la guérison. Donc, ne vous mettez pas dans le mental à dire il faut que je le fasse parce que non. C'est pas parce que vous partez ou que vous laissez ça, que vous laissez des gens. Voilà, ça tourne. Il faut. C'était vraiment un truc qui vous pesait, ça, apparemment. Oui, parce qu'en fait, ça me fait mal au cœur. Il y a beaucoup de personnes en maison de retraite, vous en parliez tout à l'heure, et j'en pleurerais parce qu'elles n'ont pas de visite de leur famille. Ouais. Et en fait, c'est leur apporter un bien. Quand on arrive, on a l'impression d'être des bonbons, quoi. Enfin, d'être une récompense pour eux, leur faire des activités. Enfin, le Covid a tout ralenti, mais ça a été, enfin voilà, quoi. C'est
Après, si vous voulez faire petit à petit ou avec parcimonie, voilà, mais vous donnez pas un fardeau parce que L'autre, c'était à c'était une eux, tout ancienne ça. avec qui j'avais beaucoup d'affinités. Je vais leur rendre une visite quand même. Bon. Vous êtes Ouais. bien, vous êtes top, vous êtes un ange, hein. C'est Bon, génial. non. Si, Quand mais même. en fait, tous, on a un peu ce côté-là, si on l'exploite, on l'a tous. Et je sais que vous donnez énormément. Et maintenant, on vous dit, c'est votre tour. C'est vraiment vous occuper de vous. Après le Reiki, vous allez vous occuper aussi d'autres personnes. Vous allez voir, vous allez faire des rencontres incroyables, tout ça. Donc, Donner de l'importance à ma vie parce qu'avec mes soucis de santé, en fait, j'ai dû arrêter de travailler. Et ouais. L'invalidité, le Reiki me redonne une importance sociale et à aider les gens encore. Voilà. Et faites-vous confiance, hein, franchement, hein. Bon. Bon, j'espère que vous avez passé ce message et n'oubliez pas, vous pouvez le revoir sur Insta ou sur YouTube. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Je vous embrasse, ça me fait les frissons, j'adore. Moi aussi. Au revoir. Je peux quitter, Alors, moi par contre, je suis nulle. Comment je fais pour quitter? je pense qu'il faut complètement quitter et après revenir sur le live, à mon avis, hein, ce que les gens font. D'accord. Merci, bonne Je soirée. vous embrasse. Bonne soirée. Alors, les anges, est-ce que vous êtes tous là? Bon, ça va, ça vous a plu? Parce que c'est toujours un peu l'activité, toujours au top. Voilà, alors ça, c'est de la médiumnité. Alors, c'est pas pour, du coup, c'est pas du tout pour me mettre en avant, pour vous montrer que j'ai ces capacités. C'est pas ça. C'est vraiment pour vous dire quand vous êtes en connexion avec une personne, que vous apportez des messages, c'est précis et c'est pas des messages qui sont banals. On peut pas vous dire juste il vous aime, il est présent, voilà. Et c'était pas quelque chose de prévu non plus parce que je ne connais pas cette dame qui s'appelle Émilie, je crois, si je me souviens bien. Donc méfiez-vous de tout ce que vous pouvez voir sur TikTok. Après, je dis pas, il y en a qui sont très bons cartomanciens ou cartomanciennes. Ah oui, vous me posez des questions, je vais y répondre après. Ça peut vous aider, mais je pense vraiment pas que on peut se dire médium ou voyant comme ça parce qu'on se dit, je vais faire ça, il y a TikTok maintenant qui met tout le monde en avant et voilà, on le fait. Oui, ça vous fait plaisir de me revoir. Mais moi, vous savez, c'est pas forcément. Alors, c'est agréable lorsque je passe des messages parce que je trouve ça. Toujours aussi génial, comme lors de mes consultations, il y a beaucoup, beaucoup d'amour et j'ai chaud, j'en peux plus de chaleur après. Et ensuite, ce qui me plaît juste pas, c'est le côté un peu Elephant Man où il faut se montrer, il faut montrer ses capacités. Après, je suis d'accord avec le fait qu'on peut y croire, on n'y croit pas, donc du coup, ça vous permet de vous rassurer, mais avec. Toutes les connexions que j'ai pu avoir, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Donc, je me dis que je partage un moment avec vous. Et voilà, si je peux vous apporter des messages, je le fais avec plaisir. Mais ne me voyez pas, s'il vous plaît, comme éléphant. Alors, Julie, alors, il y en a certains sur TikTok qui sont pas forcément bons et il y en a d'autres qui sont bons. Donc, ça dépend. Voilà. C'est à vous aussi à avoir votre libre arbitre et à vous poser la bonne question. Après, on n'a pas 100% raison, hein. Même dans la médiumité, il peut y avoir des failles parce que ça ne se passe pas au moment voulu, parce que vous avez un libre arbitre qui change la ligne du temps. Ça peut se passer plus tard, donc on peut vous avoir dit quelque chose et ça s'est pas passé, mais ça se représentera dans 2 ans. Donc, il faut vraiment attendre et il faut vraiment prendre un package quand vous faites la médiumité. Vous notez toutes les informations et vous attendez un moment avant de reprendre une consultation parce que ça vous permet de voir ce qui va arriver. Ça arrive pas tout d'un coup à chaque fois, hein. Je tenais à vous rappeler aussi parce qu'on m'a posé la question sur les exclusivités TikTok qui sont que sur TikTok. Ce ne sont pas des rendez-vous de consultation, ni visio, ni téléphonique. Ce sont des réponses vocales, donc audio. Ce sont des fichiers audio où moi, je vous parle, je vous réponds à votre question, soit à la question, soit au domaine, mais ce ne sont pas des consultations one-to-one avec la visio ou le téléphone. C'est écrit. Regardez bien les descriptifs.
Ah, Bonnie, vous êtes venue le 14 avril. J'ai demandé à mon assistante de vous envoyer un message. Normalement, vous avez eu un mail, Bonnie. C'est sympa que vous soyez là sur le live. On a eu votre demande et donc je vous accorde 15 minutes pour voir un peu tout ça. Donc répondez-lui au mail, elle vous répondra demain certainement. Alors, on m'a posé des questions, je ne me rappelle plus. Je suis désolé, quand je suis connecté, je suis plus là. Il y en a que. Il y en a. Virginie Marion a pris rendez-vous jeudi en formule or. Eh bien, écoutez, on va se voir jeudi. Vous avez pris visio? On va se voir jeudi. Ah, coucou Cécile, tu vas bien? T'as regardé un peu? Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour tout ça. Après, je ne sais pas du tout comment ça marche les abonnements. J'ai l'impression que c'est au live. Alors, je ne sais pas. Il y a écrit VIP. Alors, écoutez, je vais un peu regarder sur TikTok, excusez-moi. Vous, ça coupe le son? Ça coupe sur TikTok? Alors attendez. Mais si j'enlève ça va pas fonctionner si j'enlève le micro. Ah, t'es là depuis 10 minutes? T'as pas vu la connexion des fins alors, Cécile? Alors pourquoi ça coupe beaucoup sur TikTok? Est-ce que vous entendez bien ou pas? Mais j'ai peur que si j'enlève le son là, vous n'allez plus rien entendre. Ah, il y en a, ils disent que c'est parfait. Donc on va regarder. Alors, comment ça marche? Ah, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. J'ai Nicolas Collet qui est abonné VIP, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sont des abonnés actifs. Après, à vous de regarder ce que. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, regardez. Bon, ici, ça fonctionne hein, sur Instagram. Après, je vais essayer de faire des lives avec un programme. Je crois que ça s'appelle Livestream pour être diffusé en direct sur Facebook et YouTube. Mais je pense que je ne verrai pas vos commentaires, donc ça risque d'être compliqué. Est-ce que vous avez des questions un peu à poser? Bon, j'espère que vous avez bien dormi, Émilie, parce que c'est quand même pas évident quand on reçoit des messages. Ça perturbe énormément, hein. Est-ce que les médiums voient le créateur? Alors ça, c'est qui? Queen Chocolate. Eh ben, on ressent fortement l'énergie d'amour. Après voir le créateur, non, je pense que personne ne doit le voir. On le verra de l'autre côté. Enfin, on le verra. Pas avec nos yeux. Ah oui, ça, vous me posez beaucoup la question aussi. Quand je vous parle dans les vidéos où je dis il nous voit et pas avec les yeux, c'est parce qu'on est une énergie. Imaginez comme si c'était de la lumière. Alors, imaginez un nuage, mais c'est pas un nuage, c'est que de la lumière. Et vous êtes cette lumière. Donc, vous êtes cette entité-là. Et donc, cette entité, elle est connectée à tout. Elle n'a pas des yeux, elle a rien, mais elle voit. Et je pense que c'est pas le terme qu'on emploie de l'autre côté. Hein. Ah, Sandrine, super, merci pour la consultation. C'est gentil, Sandrine. Rosigel, c'est une vraie fan, Sandrine. Vous êtes cinq peut-être? Il me semble qu'il y a Véro au fond. Sandrine, désolé si j'en oublie un. Hein. Chantal Piche du Canada, bien sûr. Il y avait Soso. Soso, elle n'y est pas ce soir. Swaguette. Qui y a? Il y en a pas mal qui me suivent depuis le début. Ça va faire. Ben en fait, les 1 an là. Ça y est, ça fait 1 an que je suis sur les réseaux sociaux. Le créateur est une énergie, oui. Chantal, toujours là. Avec le chocolat chaud ou pas, Chantal? Parce que c'est tout le temps le chocolat. Alors non, c'est pas. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre ange. On perd pas son ange. Par contre, vous pouvez changer d'ange. Et entre-temps, on peut vous laisser à votre libre arbitre parce que vous devez être à même de prendre des décisions sur votre chemin de vie. Ah, Émilie, elle me suit depuis 10 mois. C'est gentil, Émilie. Vous voyez, comme quoi.
Ça fonctionne. Les vies sur les indices sur les vies antérieures. Alors ça arrive lorsque j'ai des connexions, quand je vous fais des consultations, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des connexions sur vos vies antérieures. Par contre, comme je le dis tout le temps, je préfère honnêtement quand la personne peut me certifier qu'elle ressent la même chose. Si je le dis tout le temps cet exemple aussi. Si je vous dis, oh là là, vous avez été Cléopâtre, je vous vois en Égypte et tout ça, et que la personne, elle me dit, j'en sais rien, il n'y a personne qui peut le vérifier, même si je lui dis, oui, j'en suis sûr, il n'y a personne qui peut le vérifier, donc je suis pas très fan de ça. Ce que j'aime bien et ce qui m'est arrivé, c'est une dame qui est venue au cabinet, je dis, oh là là, pourquoi il y a la Palestine? Pourquoi il y a des colonnes, et il y a votre frère qui est tué, je comprends pas, on veut savoir l'affaire. Elle me dit, oh là, mon Dieu, vous êtes incroyable. Elle me dit, c'est un rêve que je fais de façon récurrente et du coup, j'ai l'impression que j'ai vraiment vécu là-bas. Donc, moi, je pouvais lui dire, oui, j'en suis certain. Par contre, je lui ai dit aussi qu'il fallait pas forcément qu'elle aille là-bas parce qu'elle voulait vivre là-bas pour résoudre la problématique. Alors, je lui ai dit, non, c'est pas forcément. Elle pouvait faire des allers-retours, des voyages, mais pas forcément aller vivre carrément là-bas. Les heures miroirs, je vous l'ai dit tout à l'heure, Kali, c'est des appels à l'élévation spirituelle. Donc, il faut que vous renseigniez dans les livres, il faut que vous fassiez confiance, il faut que vous fassiez des ateliers spirituels, tout ça, voilà. Alors, si je vous ai donné des numéros, Sandrine, ils se retrouvent sur mon site internet, forcément, parce que c'est les mêmes que je donne, nicolasdavidmediumparis.com. Vous allez dans les onglets et vous allez dans les liens. Les liens, il y aura tous les liens. Voilà. Alors, Émilie, c'est une expérience incroyable. Je ne m'attendais pas à ce message. Être vecteur d'anode est un rôle très important pour moi. Les choses n'arrivent pas par hasard. Jamais, jamais, jamais. Bon, je vous remercie. Je vais répondre un peu aux questions sur TikTok. Ah, est-ce qu'on va avoir un autre contact? J'ai eu deux messages de mon fils. C'était vraiment super. J'aimerais en avoir encore. J'espère que ça va mieux quand même, c'est Lydia. Lydia, j'espère que vous avez évolué depuis le début, hein, depuis un an. Alors, Cécile, ça veut dire quoi? Ul, Ua? On n'a pas forcément tous des anges gardiens. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. T'as ripé, non, sur le téléphone? Oui, ça m'arrive d'avoir des défunts qui ne parlent pas français. C'est dingue comme vous êtes bloqué avec la pensée humaine. Si un défunt est d'origine étrangère, une fois qu'on est de l'autre côté, il n'y a pas de barrière de langue, puisqu'on parle tous la même langue là-bas. Enfin, on ne parle pas. C'est une communication un peu télépathique. Je sais pas comment vous le dire. C'est des transmissions énergie à énergie. Donc, il parlera dans ma langue et il me donnera quelques mots de sa langue. Et c'est pour ça que ça m'est arrivé de parler, de dire quelques mots en italien et de dire quelques mots en russe que je connaissais pas du tout. Non, on n'est pas toujours incarné dans le même sexe, 42 et Emma 42. Est-ce que vous aimez ce chiffre, Emma? Ah, je t'ai vu regarder sur le côté. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui tourne, mais j'ai pas encore l'accès. Et quand je fais comme ça, c'est vrai que normalement, il y a quelqu'un qui veut parler de l'autre côté. Mais là, j'ai pas. Oui, on peut se réincarner dans le passé. Alors, si un défunt ne me parle pas, ça veut dire que ce n'est pas le moment pour vous, que vous n'avez rien à apprendre, que ça ne va pas vous aider. Soit que vous êtes trop en dépendance par rapport à ce défunt, à cette communication défunt, donc il ne viendra pas parce qu'il ne faut pas que vous soyez dépendant de ses messages et il ne faut pas que vous soyez dépendant de sa présence. C'est hyper important en fait. Vous ne devez pas vous arrêter, arrêter votre vie et dire bah, de toute façon je la continuerai que lorsque j'aurai ce message. Ça ne fonctionne pas ça. Hein. Ah, c'est gentil, il y en a plein qui me remercient, merci à vous. Hein. Ah oui, vous m'avez posé la question sur TikTok dans les commentaires. Revoit-on les gens qu'on aime là-haut? Oui, on revoit. Alors, on revoit. En fait, quand vous partez de l'autre côté, ça n'a pas tant d'importance que ça.
dans le sens où si vous ne voyez pas la personne à qui vous êtes relié, c'est qu'elle fait autre chose et vous le saurez à ce moment-là et ça sera pas grave en fait. C'est pour ça que vous le prendrez pas mal en fait. Est-ce que ça coupe ou pas? Non, pas de coupure, hein. Merci pour tous les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour tout ça. Alors, moi j'attends, moi je suis dispo. Il y a quelqu'un qui tourne, mais c'est pas encore là. Bon, il n'y a pas de coupure. Je vous ai pris une consultation pour ma sœur, je pense que vous vous souvenez plus. Non, Sandrine, mais tous les liens, ils sont sur le site, hein. Après, je me souviens pas de ce que je dis en consultation, hein. Je serais curieuse de savoir, est-ce que les plantes perçoivent des choses? Si oui, de quel ordre? Ah, mais les plantes, c'est hypersensible et c'est sensible à l'amour et aussi aux énergies négatives. Donc, elles perçoivent tout, les plantes. Il faut s'en occuper avec beaucoup de tendresse. Moi, je leur parle quand je les arrose, comme c'est des êtres vivants, donc je leur parle. Sandrine, envoyez un mail peut-être à Véronique, elle va vous répondre. Mais après, de vous dire ce que j'ai dit pendant la consulte, je m'en rappellerai pas. C'est mon site internet. Alors, je vous ai vu. Enfin, qu'est-ce que je dis n'importe quoi? Oui, vous, je vous ai vu, mais vous ne me parlez pas. Si vous me parlez, c'est mieux. Bon, il y a Thibaut, il y a que ce prénom-là, donc c'est pour ça que je ne le dis pas. Il y a Thibaut pour l'instant. Donc, comme je veux en savoir plus avant que vous me répondiez. Merci pour le cœur, c'est gentil, Soso. Quand vous me demandez où prendre rendez-vous, je vous ai fait une vidéo épinglée sur mon Instagram. Il y a quand même mon site internet sur ma bio Instagram. Sur TikTok, il y a un lien Snipfeed qui récapitule ma bio, qui vous renvoie sur mon site internet. Si au pire vous savez pas, il y a écrit, vous écrivez Nicolas David sur Google, vous avez tout. Donc, et le but des lives n'est pas pour ça. Donc, je vais répondre à vos questions. Ma fille de 10 ans voit des gens d'un autre monde. Comment l'aider? Elle est effrayée. Alors, Marina, c'est ça, hein, vous êtes beaucoup à avoir cette question. Si votre enfant voit des défunts, voit des âmes, voit tout ça, il n'est pas obligé de voir que des bonnes âmes, hein, d'ailleurs. Il peut être protégé, mais il se peut aussi qu'il y ait des âmes qui sont pas forcément bonnes. Mais vous inquiétez pas, le canal se ferme vers 10-12 ans normalement. Par contre, s'il se ferme pas, ça veut dire que la mission sera de dire les choses aux gens. Vous pouvez demander à votre fille de parler à haute voix. C'est pas forcément le fait de voir les défunts qui nous intitule, qui nous donne le titre de passeur d'âme. Hein. Passeur d'âme, c'est vraiment prier pour les âmes, pour les faire passer, pour les emmener vers la lumière. C'est pas juste en les voyant et en leur parlant. Mais vous pouvez dire à votre fille, si elle est vraiment embêtée par eux, de leur demander de la laisser tranquille, de demander de la laisser tranquille, et il faudrait normalement prier. Alors, je vous dis prier, pourquoi? Parce que moi, je suis croyant chrétien, je dis pas qu'il faut l'être, mais je suis très croyant, et que toutes mes prières que j'ai toujours fait depuis que j'ai 4 ans, à Jésus, à Dieu, à Marie, fonctionnent, et ils me laissent tranquille. Dès que je dis le mot Jésus, ils me laissent tranquille. Est-ce que c'est parce que c'est acté comme ça dans le monde des esprits? Je ne sais pas. Peut-être que ça marche aussi chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les hindouistes. Mais en tout cas, moi, avec mes prières catholiques, ça fonctionne. Donc, si vous arrivez à trouver des prières, moi, je vous donnerai des prières plutôt liées à Jésus, au Christ, ça fonctionne. Ça peut couper le fait qu'elle capte ses défunts. Voilà, donc vous pouvez lui dire qu'elle demande à Dieu, si elle croit en Dieu, qu'on la laisse tranquille. Il faut qu'elle lui parle. Pas tous les enfants sont canals, hein, dodo. Hein.
Alors l'écriture automatique, si vous voulez vous protéger, il faut mettre une bougie blanche, c'est important parce que la couleur des bougies a son importance. La couleur a une fréquence vibratoire, pardon. Donc si vous mettez une bougie bleue, une bougie rose, une bougie noire, ça a une valeur de l'autre côté dans le spirituel. Tout est important. On est dans un schéma mathématique ici. Donc, selon la vibration que ça envoie, le code vibratoire que ça envoie, ça va pas vous donner la même connexion. Ensuite, je dis tout le temps qu'il faut faire une prière. Alors, prière, ça peut être seulement une intention d'amour. Si vous n'êtes pas forcément croyant, vous pouvez dire, protégez-moi pendant cette consultation. On dit jamais, on nomme jamais le mal. Donc, protégez-moi, gardez-moi dans le bien-être, dans l'amour, dans le bonheur, voilà, dans la connexion positive. Je souhaite parler qu'à des guides du positif. Comment je dis? Je sais plus comment je dis. Moi, je dis, je pense que je dis des guides qui sont reliés à Dieu. Enfin voilà, il faut faire un petit rituel en quelque sorte, hein. Est-ce qu'on est tous médiums? Non, on n'est pas tous médiums et c'est pas forcément l'idéal hein, d'être médium. Hein. Vous êtes là pour les gens, vous avez des messages à faire passer. Il faut accepter d'être différent. Moi, je suis vraiment aérien dans ma vie de tous les jours. On me le dit assez. Je suis pas connecté à la matière. J'oublie tout. Je suis à l'ouest, on va dire. Je suis vraiment à l'ouest souvent, hein. Et c'est pas forcément évident, hein. Quand vous vivez avec quelqu'un qui est plus terre à terre, on vous le rappelle quand même souvent. Alors que moi, ça n'a pas d'importance. Rien n'a d'importance. Oui, j'ai déjà entendu mes proches défunts. Oui, et heureusement d'ailleurs, j'ai déjà entendu, notamment, alors ça va pas forcément plaire à mon père ou à ma famille, mais j'ai eu des messages de ma grand-mère paternelle avec qui j'avais pas forcément d'acquaintance. Donc j'étais pas très lié à elle. J'étais pas très lié du côté de la famille paternelle. Mais je ne leur en veux pas, hein. C'était comme ça, c'était mon enfance. Ça s'est passé de cette façon. Et puis de toute façon, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Cependant, en 2020, 2020, je crois, 2021, ma grand-mère paternelle est venue me voir. C'était quand j'avais écrit mon livre d'ailleurs. C'était un matin, je me rappelle. Et elle me dit, ton oncle Armand va se faire opérer de l'estomac. Dis-lui que ça va bien se passer parce qu'il stresse pour ça. Je me dis, ah bon? C'est genre, c'est sûr? Ouais, ben c'est sûr. Et en fait, j'ai mis un message à mon père. J'ai dit, apparemment, Armand se fait opérer bientôt de l'estomac. Il fait les démarches et dit-lui que ça va bien se passer, tout ça. Il me dit, oui, c'est vrai, il va se faire opérer. Il me dit, mais moi, elle t'a dit que je me fais opérer. Alors, je sais plus si c'était des yeux ou de je sais pas où. Je dis, non, elle m'a pas dit. Donc, pour lui, ça devait être un peu plus compliqué parce que c'est vrai que Armand a toujours été un peu plus préféré. Et donc, même de l'autre côté, finalement, il se dit, ben, elle pense à lui et pas à moi. Après, bon, voilà, je peux pas refaire la vie, hein. Je peux pas refaire ce qui a été fait, hein. Oui, les rendez-vous par téléphone visio sont pareils que les consultations en cabinet. Il n'y a aucune différence. C'est toujours vous avec votre mental qui fait que vous dites que le fait d'être en face de moi, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. En plus, c'est pas forcément mieux. Prêtre exorciste, oui. Et c'est à Paris. Il faut appeler Paris. Vous tapez prêtre exorciste Saint-Michel. Vous avez beaucoup de questions, hein? Des célébrités. Alors non, j'ai des célébrités qui viennent me voir en cabinet, qui me consultent. Je ne dois pas dire les noms, évidemment. C'est confidentiel. Par contre, moi, j'ai jamais parlé à des célébrités défuntes. Ça m'est arrivé d'envoyer des ondes, des messages, des prières quand j'apprends le décès. Alors, parfois je sais le décès avant des célébrités,
Mais je pense pas que ça soit forcément quelque chose qu'on annonce. Si je vous dis demain, il y a telle célébrité qui part, qui nous quitte. Ouais, d'accord, c'est super, ça va attester que je l'avais senti, mais dans l'absolu, ça va stresser tout le monde et la personne qui sera, du coup, si elle est dans un état où elle est un peu consciente et qu'elle l'apprend, c'est quand même pas terrible. C'est pas. On va pas faire ça. Mais ça m'envoie de leur envoyer des prières. À Marie Laforêt, j'avais envoyé. À Galabru. Parce que Galabru, ben moi j'ai vu tout, pas mal de ses films quand j'étais enfant. Ça m'avait touché. Et j'avais remercié d'avoir apporté toute cette joie, toute cette bonne humeur. Alors, oui, si c'est une maison hantée, ça peut mettre en danger la personne. Alors, maison hantée, c'est une maison où il y a une âme qui n'est pas forcément positive, hein. On dit ça pour les âmes qui ne sont pas positives. Par contre, ça peut être une maison dite habitée par des âmes qui sont ni négatives ni positives, mais qui errent. Donc, ce n'est pas forcément grave. Mais le mieux, c'est de faire de la sauge, des bâtons de sauge qu'on enfume. On enfume la pièce et fermée, donc c'est pas forcément agréable parce que ça fume énormément la sauge, mais ça nettoie quand même les énergies. Et toujours pareil, c'est le prêtre, hein. Moi, ça a toujours été le prêtre, hein, pour bénir les lieux. Bon, j'espère que vous en avez appris un peu plus là. Ben, Thibaut, il parle pas. Peut-être parce que je suis trop en train de vous répondre. Je suis trop dans la matière là. Alors, Josiane. Josiane, et alors, elle monte le sonotone. Je ne sais pas si c'est pour elle ou si c'est pour quelqu'un autour d'elle. Josiane, le sonotone. Est-ce que ça a un rapport avec Thibaut? Non? Ok. Ouais, mais qu'est-ce que ça m'apporte de savoir qui est Thibaut? Bon, j'ai pas le droit de juger, hein, de toute façon. Josiane, le sonotone. Oh, my goodness, j'espère que c'est pas ma belle-mère qui est vivante, hein. Ça n'a rien à voir, je pense. Josiane, le sonotone. Et Gabriel, donc Josiane, Sonotone, Gabriel. Josiane, Sonotone, Gabriel. Villefranche? Villefranche, c'est le sud, ça? Villefranche-sur-Mer? Josiane, Sonotone, Gabriel, Villefranche-sur-Mer. Igelin, Angelin, Igelin. Parfois, c'est beaucoup des rébus, hein. Alors, il y a Villefranche, Josiane Sonotone, Igelin, Angelin. Est-ce que déjà ça vous parle? Il y a plein de Villefranche. Ben, je sais pas moi. Vous êtes mignon. On dirait que c'est facile de capter, vous savez. Je vous en prie. Allez-y, captez, donnez-moi des informations. Josiane, Sonotone, Villefranche. Igelin, Agelin, Aigelin. Est-ce que ça peut être un nom de famille ou Igelin? Je sais pas. Gabriel, oui, il y avait Gabriel. Et je ne sais pas si dans sa famille, il n'y a pas eu Raymond.
Il y a Raymond. C'est Raymond ou Edmond? Je vais être complètement bouché, moi, avec mon angine. Alors vous, c'est Jelin, Nathalie. Mais est-ce que Marianne, Marin, est-ce que le reste correspond? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, hein. Il faut pas qu'il y ait que Villefranche, hein. Il faut pas qu'il y ait que Raymond. Moi, je pense que c'est plutôt le sud. Je pense que c'est plutôt vers Montpellier, je sais pas. Je dirais le sud. J'irais plus le sud-est, hein, pour Villefranche là. J'ai chaud. J'essaie de savoir comment il est parti. Alors, et Raymond ou Edmond? Il n'y a pas de rapport avec Thibault, apparemment. Alors, qu'est-ce que vous dites, Mariam? J'ai pas lu, je lis pas en même temps. Alors, Jolin, Nathalie. Et Jolin. À côté de Nice, en plus je suis pas très loin, mais oui, Thibaut c'était un enfant, oui. Elle habitait le sud-est, mais est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y a Josiane? Est-ce qu'il y a alors Edmond, Raymond et Gabriel? Alors, cancer fulgurant, oui, je suis d'accord. Mais après, il me faut le reste. Hein. Jacques Higelin, le chanteur. Non, je pense pas, j'aurais dit Jacques quand même. Alors, est-ce que ça correspond le reste? Je savais même pas qu'il y avait Higelin, que c'était un chanteur. Et là, Jelin, vous dites que c'est à côté de Villefranche-de-Rouergue. On va trouver, hein. Alors là, il y a quand même là, Jelin qui est à côté de Villefranche. Donc ça peut coller, hein. Moi, je ne connais pas la géo. En plus, je ne suis pas très très bon en géo. Allez vite pour le message. Bonne soirée Catherine. À bientôt. Il y a plein d'amour aujourd'hui, c'est agréable. Ouais. Aujourd'hui, c'est très calme les chats, c'est vraiment super. 60 000 j'aime, on a. Mon Dieu, c'est énorme. Alors la personne qui répondait n'est plus là pour vous passer le message, ça va être compliqué. Oui, ils ressentent la douleur et il faut pas que vous soyez dans la douleur. Hein. Là, Jelin, c'est un amour perdu dans la campagne. Ils viennent à moi. Ouais, c'est très apaisé, c'est super agréable. Alors, Marianne. Alors, vous dites Méniral, Vincent, 103 ans, décédé avec son automne, et Josiane qui s'est occupée de lui.
Il avait de la famille à Villefranche. Alors, Minéral, est-ce qu'il y a Edmond ou Raymond et Gabriel en prénom? Bonne soirée, Céline, et merci pour votre aide. Parce qu'en fait, si vous êtes dans la douleur, vous ne pouvez pas être relié à eux, vous ne pouvez pas avoir de connexion. Alors, Minéral, il n'y a pas de lien avec ni Raymond, ni Edmond, ni Gabriel. Gabriel, le prénom du frère de l'ancien petit ami de sa fille. Oui, après, bonne soirée, Sandrine, bonne nuit. Non, le temps ne passe pas pareil pour les défunts. Il faut Marie-Lou Chou. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Ah, Kat. Kat, vous avez rendez-vous bientôt. Ça va me faire plaisir de vous voir. Vous êtes une super fan. Alors, sur TikTok, c'est Marianne. Alors, Marianne, est-ce que vous avez les 1000 abonnés? Non. Du coup, si vous n'avez pas les 1000 abonnés, Marianne Marin, il faut passer sur Insta. Insta, il n'y a pas de minimum d'abonnés. Je peux vous demander en live. Ah, c'est gentil, Émilie, vous aussi. Bonne nuit à ceux qui s'en vont. Ah, il y avait Betty. Bonne soirée, Betty. Alors, Marianne, j'espère qu'elle va venir pour avoir son message. Belle soirée à ceux qui s'en vont. 22h28, c'est pas si tard quand même. Oui, Nathalie, un animal peut vous retrouver, oui. Jeannot, souhaite-lui un joyeux anniversaire de ma part, ça sera fait. Je suis pas en connexion avec tous les défunts, hein. Bonne soirée. Alors, Marie Marin, c'est Marianne. Donc 69, c'est vous? Alors, l'ancien direct, on va voir. Retourner. Alors, bonsoir. Ah, ça avait marché, ça ne marche plus. Regardez, on fait comme ça. Lancer un direct. J'ai plus de voix. Ah, peut-être qu'elle veut plus. Hein. Ah, je vous avais manqué, hein. Peut-être qu'elle n'est pas prête, peut-être qu'elle est en pilou-pilou. Ça n'a pas l'air de marcher, c'est dommage. Est-ce que vous êtes là, Marianne? Suis désolé hein, pour le temps. Bonne nuit. Annick, merci. Je ne sais pas où elle est. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Ah, Karine, merci, tu nous as manqué. Après, soyez pas dépendant de moi, hein. Ah, Émilie, vous attendez les lives? Ah, c'est gentil. Mais Zaka, vous avez les rediffs après sur
Insta et sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium Paris. Alors là, je suis à Sanary, mais je fais pas de consultation à Sanary. Parce qu'il faut que j'ai quand même un peu d'intimité. Moi, je suis très patient. Moi, je suis dans la connexion avec les anges. Mon but, c'est de délivrer les messages. Donc, je suis bien, je suis porté par l'amour. Donc, tout va bien. Alors, Marianne, c'est dommage parce que je ne sais pas si je vais avoir la connexion encore là. J'ai essayé de vous retrouver, mais peut-être que ça n'a pas marché, hein. C'est ça qui est long. Alors, si vous écoutez les lives, mettez-les à côté parce que c'est peut-être long après une fois que... Ah! Est-ce qu'on a quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir, c'est Marianne? Oui. Il faudrait que je voie votre visage, s'il vous plaît. Ah, je sais pas faire en fait. Ah. Accepter. Alors, peut-être qu'il faut retourner l'écran, non, c'est ça? Vous êtes dans le Je sais noir? pas. Je sais pas. Alors, attendez. Non, ça c'est là. Voilà, je suis nulle. Bah, c'est normal, c'est pas évident les réseaux sociaux. Ah, non, je sais pas faire. Alors, du coup, vous, Marianne, je sais même plus. Donc, Josiane Sonoton, si Gabriel, Villefranche, Raymond, Igelin, Igelin, ou je sais plus. Et j'avais une jeune Nathalie qui est décédée d'un cancer fulgurant, c'était ma belle-sœur. Ouais. Jeune Gabriel, c'était le nom du petit frère de du copain de sa fille. Oui. Après les autres prénoms, elle avait beaucoup de familles, alors je ne connaissais pas tous. Alors peut-être qu'il y avait des, comme vous dites, Edmond ou autre. Et du coup, Villefranche, moi, à un moment donné, c'est vrai que j'habitais Villefranche-sur-Saône. Est-ce que c'est quelque chose qui dit? Et Josiane, du coup, ça vous parle pas? Non, Josiane, non, je ne connais pas. Non. C'est bizarre pourquoi cette Josiane est apparue. C'est important. Et après, ça sent la cigarette. C'est vraiment très, très fort, ça. Ah ben, la Mon cigarette, Dieu. elle me faisait la chasse tout le temps, vous n'avez pas compris. Ah ouais, ça sent énormément la cigarette, hein. Pourtant, il n'y a pas les odeurs à travers le téléphone. Alors, on dit que vous avez de la colère apparemment à l'intérieur de vous, chère Marianne. Alors, c'est pas Marianne votre prénom? Anne-Marie. Anne-Marie, ouais. Ce que je me disais, on me dit c'est, l'appelle pas comme ça, c'est pas du tout son prénom. Donc du coup Anne-Marie. Anne-Marie, il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous. On vous dit de lâcher et c'est normalement au niveau de l'affection, de l'affectif. Et alors, est-ce que c'est le fait d'être seul? Est-ce que c'est le fait de plus s'entendre avec la personne avec qui vous vivez? Mais il y a un truc qui va pas en tout cas. C'est je me retrouve complètement dans ma solitude, en tout cas emprisonné parce que je ne suis pas aimé à ma juste valeur et je sais pas comment faire. Et du coup, il y a cette colère en fait. Donc il faudrait pas forcément en vouloir à la vie, il faudrait essayer de vous aimer, d'aller vers vous, et c'est pareil, hein, c'est passer du temps avec vous-même, tout ça, et de pas forcément vouloir avoir raison sur vos ressentis, tout ça, on vous demande de beaucoup lâcher prise et de beaucoup être à l'écoute, même si vous le faites énormément, parce que vous aidez les autres, mais on vous dit de prendre du temps pour vous, là, c'est hyper, hyper important, hein. C'est compliqué. Alors je sais, alors c'est ça, vous attendez l'amour, mais le vrai, il y a un problème dans l'affectif, hein, vraiment, Oui, hein. c'est ça. Alors est-ce que la demande n'est pas trop parfaite? Il faudrait peut-être accepter aussi certaines personnes qui arrivent, parce que je dis tout le temps, d'accord, on peut projeter au présent, tout ça, le positif, ta 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 ta, mais aussi il faut comprendre que les rencontres que l'on fait sont là comme un stage de vie, donc il faut qu'on comprenne notre façon de fonctionner et il faut qu'on s'améliore. Tout le temps, c'est un peu comme ça. Oh là là, là, vous êtes coupé. Parce qu'il y a même le fait, en amitié, d'avoir eu un côté dur, de dire maintenant, vous me cassez tous les pieds. Et je reste dans ma bulle et je fais plus quatre personnes parce que en fait vous prenez tout de façon exacerbée, votre émotionnel est tellement perturbé que vous prenez tout à fleur de peau, hein. Oh là là.
Et pourtant, vous êtes dans le noir et j'ai que votre voix. Mais oui. Mais c'est vrai, tout ça est bien vrai. C'est sûr, c'est compliqué pour nous. Ouais. Alors, pourquoi il y a les îles? Est-ce que vous êtes allé déjà aux Antilles ou quelque chose comme ça? Alors, non, pas du tout, mais par contre, chaque été, je pars en vacances en Espagne, il y a des îles où je pars. Ah, d'accord. Et on voit des îles, en fait, quand on est sur la plage. D'accord. Ah oui, je sais pas si c'est ça, hein. Et vous, il y a un manque de reconnaissance, même que ça soit professionnel, un peu de partout. Vous aimeriez être un peu plus vu à votre juste valeur, mais le problème, c'est que la fréquence énergétique sur laquelle vous êtes en ce moment, c'est plus dans la problématique. Donc, du coup, vous n'envoyez pas forcément les bonnes ondes aux gens autour de vous, même si vous voulez paraître douce. Il y a des quiproquos en fait qui se créent. Donc vous vous retrouvez seul et ça il va falloir le gérer ça. Il y a Cécile Andreux sur le chat qui peut aider, qui est hypnothérapeute, elle peut aider. Alors moi ce qui m'agace c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un rapport avec Josiane, Raymond ou Gabriel. Il faut qu'il y ait un des. Alors Gabriel oui vous m'avez dit tout à l'heure, et Raymond ou Edmond. Bon après vous m'avez dit Nathalie Higelin, donc c'est quand même pas mal. Après, je sais pas, est-ce qu'elle a... elle parle de ses enfants, parce qu'elle en avait quatre. Non, ça marche pas. Alors, Stéphanie, c'est Stéphanie le prénom. Est-ce que elle avait un rapport avec une Stéphanie, vous savez, ou même quand elle était jeune? Elle avait sa meilleure copine, je ne me souviens plus maintenant comment elle s'appelle. Ah, c'est hyper Elle avait important ce une prénom. super copine, hein, qui... Stéphanie, je ne me souviens plus. Ah, les anges, s'il vous plaît. Et alors, là, on dit qu'il faut faire attention au niveau finance, apparemment. Bon, c'est bien de profiter, mais il faut faire attention. Je sais que c'est pas forcément évident, parce que parfois, ça nous brûle les mains, mais vous, on vous dit de faire attention, du coup. C'est important. Et surtout qu'il faudrait mettre un projet en route, là. Alors, pourquoi vous l'avez pas fait? Ça, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais non, mais j'ai quelqu'un de couleur quand même. Là, j'ai quelqu'un de couleur. Donc, vous n'avez pas déjà rencontré, parce que j'espère que c'est pour le futur, mais quelqu'un qui est mat de peau, très très mat de peau. Non, très très mat, non. Il y a ce côté quand même pas la peau blanche comme nous même si c'est pas vraiment blanc Non. mais il y a ça il y a cette rencontre qui est importante. Frédéric ça vous parle pas non plus? Et ça? Frédéric. Ah, c'est le prénom de mon meilleur ami. Ah, d'accord. On se connaît depuis le collège. Ouais, mais alors ça doit être un peu ambigu parce que ça fait vraiment partie de vous, de votre âme. Donc peut-être que vous êtes. Ça peut être des âmes sœurs amicales aussi, hein. C'est hyper important. Oui, mais il était très amoureux, lui. Hein. Ouais. Et je pense que c'est bien que vous gardiez cette amitié. Par contre, lui, il va falloir l'épauler parce qu'il a une énergie parfois qui peut être basse, hein. Donc il va falloir le remonter. Vous êtes un peu sa soupape. Ça, c'est important. Des fois, c'est compliqué aussi Ouais. pour lui. Il a des problèmes. Heureusement que vous êtes toujours là pour faire la béquille, hein. Bah, oui, mais c'est souvent mon rôle ici. Je suis la béquille pour beaucoup de monde. Ouais, donc c'est pas plus mal finalement de voyager, de se faire un peu du bien. Mais vous avez du coup créé cette bulle où vous voulez pas qu'on vous embête. Donc comment on peut le changer ça? C'est pas évident. Il va falloir que ben, les hypnothérapeutes, donc pas forcément Cécile si vous voulez Cécile, mais enfin il y en a tellement d'autres. Bon, ben, c'est pas mal. Alors, pourquoi il y a le chien? Est-ce que c'est quelqu'un de proche d'elle qui avait un chien? Il y a un chien blanc, et ça, je comprends Ah oui, pas. bah quand elle est décédée, un an avant,
Elle avait adopté un dalmatien. Ah, d'accord. Et ils en avaient même deux. Et Et ils sont très importants, là, les dalmatiens, même pour la pour ma nièce, quoi. Même... bon, occupez-vous-en bien, parce qu'apparemment c'est important tout ça. Oui, je sais que oui. C'est Mais dingue. Et bon. après, essayez de vous rappeler si vous arrivez à faire le lien avec une Josiane, où ça Ouais, c'était ben, elle important est dans parce la que famille, mais comme pour il était vous, pour très important, sa savoir, famille. comme j'ai eu ça et qu'il y avait Igelin, ou je savais pas, donc on a eu quand même le nom de famille, mais peut-être après pour voir ce qui pourrait correspondre, ça serait sympa. Après, si ça vous arrive, c'est déjà arrivé à certaines personnes, une fois que vous vous rappelez, vous écrivez, et peut-être que moi, ça va me revenir et je vous répondrai. Ça arrive des fois. Bon, ben voilà, Anne-Marie. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie, passez une belle soirée. Et Merci à merci toi d'être aussi. là. Et puis, remerciez-les, surtout là-haut. On remercie tout le monde et je vous Hein. remercie beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, retournez. C'est comme ça, retournez. Être sûr. Voilà les messages. C'était pas évident, hein? Mais le chien, c'était hyper important. Merci pour les non-messages, les non-commentaires pendant les connexions. C'est super. Dis donc, quelle bienveillance si on pouvait avoir ça tous les soirs. Ça serait vraiment incroyable. Très douce, mais elle se donne trop pour les autres aussi. C'est souvent la problématique, hein, quand même, hein? Si un défunt nous parle, ça veut dire qu'il n'est pas réincarné. Effectivement, Tom Vire. Peut-être c'est Virginie et Thomas, je ne sais pas. Non, Thibaut, il n'a pas voulu s'exprimer. Thibaut, il était là, il n'avait rien à voir. Et je ne sais pas pourquoi il est là. Peut-être je l'aiderai à passer de l'autre côté. Je vous en prie, Marie Marin. Donc Anne-Marie. C'est que c'est pas votre destinée si vous voyez plus les esprits. Et c'est pas grave. À 22h43 déjà, il va falloir que je vous laisse parce que moi demain j'ai des consultes aussi. Oui, Thibaut était un enfant. Alors peut-être qu'il se représentera sur le live, je l'espère, mais là il parle pas là. Là, il est en observation et je sais pas pourquoi il est derrière moi depuis quelques temps là. Ça fait longtemps hein, que vous attendiez les lives. Belle soirée, oui, Magali. Vous avez raison pour ceux qui nous quittent. Le prochain live, je vais l'annoncer, évidemment. Alors, parfois, je suis coquin. Je vous mets juste un petit ange dans la story Insta et pas forcément dans la story TikTok. Et j'arrive par hasard. Merci Nathalie, c'est sympa. Ah oui, activez les notifications parce que vous êtes beaucoup à avoir ce problème de ne pas avoir la notification quand je suis en live, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Donc activez bien vos notifications. Et je ne sais pas où ça se passe, hein. Merci d'avoir été là. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements. Il faut activer la cloche, c'est hyper important. Et vous êtes trop fort, merci, j'ai adoré Chantal. Chantal Taki, c'est gentil. Donc je dis à très bientôt. Le live sur Insta, normalement, il va être disponible de suite après. Et le live de TikTok, s'il n'y a pas de bug, je l'enregistre et je le rediffuse sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Vous avez déjà les anciens replays. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Je ferai un live dans pas si longtemps que ça, normalement, ou fin de semaine ou la semaine prochaine. J'essaierai de vous le notifier, de pas trop faire le coquin, mais ça, bon, on verra avec les anges comment ça se passe. Et je vous souhaite d'avoir un message parce que c'est super important quand même pour vous. Et ça me fait plaisir de vous les donner. Voilà. Je vous embrasse. Ne soyez pas dupes avec les pseudo-personnes qui se présentent en tant que médium. Ne faites pas confiance facilement, mais soyez toujours open dans la bienveillance et dans l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
À très très bientôt.